Bonjour tout le monde. Ici votre autre Kimi. Aujourd'hui, on se retrouve sur Danganronpa 2. Descendre le son. Dernière fois qu'on s'était laissé, on venait de trouver le corps de Nagito à terre. On avait exploré la 5e île, puis on a trouvé le corps du fameux Nagito que tout le monde déteste. C'est pas mal ça le résumé. Il n'y a pas plus de résumé que ça, en fait. Je vais un peu vite, mais c'est vraiment... On a exploré la 5e île. Nagito, il nous a regardé de front. Le bâtiment a pris feu. Puis on l'a retrouvé... dans cet état-là. Et on découvre qu'est-ce qui s'est passé. Donc pour eux qui posent la question qu'est-ce qui se passe, et évidemment c'est que à chaque fois qu'on fait un meurtre, on doit comme faire un... Comme si on était un détective vraiment privé. On doit réunir plein d'informations, toutes les preuves qu'on peut avoir. Puis avec ces informations-là, on fait un débat pour savoir qui est le meurtrier. Et une des raisons pourquoi que j'aime ce meurtre, surtout parce que je l'ai déjà fait, faut pas oublier. Je l'ai déjà fait, mais il y a une raison pourquoi j'aime ce meurtre-là. C'est que tu sais pas ce qui s'est passé. Là, tu dis, ok, il est mort, il est mort à cause de ça, non, il est mort à cause de ça, non. Il est mort comment? Non, son goût. Je voulais avoir son hoodie. Mon dieu. J'aime pas ces va-et-vient avec Monokuma et Monomi. Ça sert à rien. Merci Sonia. Là, par contre, j'espère me souvenir comment on fait. On fait le débat avec les indices qu'on a, je me rappelle. Zéro. C'est quoi la progression des événements? Ah, c'est vrai, il y avait une bombe. J'avais complètement oublié la bombe. Qui, si elle tombe à zéro, il se passe quelque chose. Je
He's a killer among us. Imagine que Among Us ferait un trademark sur le Among Us, ça serait pas beau. Bon. Regardez le Fall. Fall, qu'est-ce qu'il dit le Fall? On dit qu'il est mort, merci. La victime était Nagito Kanaida. Son corps a été découvert dans le White House. Où est-ce qu'il est plushy? Le temps de mort est à midi pile. Non seulement il y a une lance qui traverse son estomac, mais il y a aussi plusieurs coups de couteau, dans ses jambes. Et encore plus, il y a une lacération dans sa main droite. Dans son bras gauche. Et sa main droite est empalée. Il dit pas la véritable cause de mort. C'est ça? La note de ça. Fire grenade. Un lighter à huile plus le party, puis aussi longtemps qu'il n'a pas fermé. Il continue de brûler. Ok. Il est mort, Jim. Ça, je pourrais connaître la référence. La peluche Monokuma est une réplique du corps de Nagito. Pas trop sûr. Mais ça a quand même l'air d'être une information importante. Mais Sonia, tu as quelque chose à me dire? Non. Comment t'appelles, Kazuichi? Il y a toujours un dans les Dragon Ball qui fait genre, t'es qui? Moi c'est Kazuichi. Kané, y'a quelque chose à me dire? Ok,
Il y a 30 minutes, on manque le feu. Ou à ce moment-là, le schémat de mon alibi. Vu qu'on était tous là pour le feu. C'est pas un indice, ok. Ça, j'ai déjà parlé. Shaki. Le sprinkler à qui éteint le feu. Puis une trace de sang, ok. Est-ce que c'est de ça? Non. On n'est pas du tout dans le jeu de Random Pair où est-ce que le sang est rose. Non, c'est pas du sang. C'est juste de la peinture. Yeah. C'est juste de la peinture. Ouais. Sur les 5 personnes qui sont là, il y en a juste une qui est importante. Fun fact, j'ai vu une vidéo des Fire Grenades. C'est très efficace. Sur quand même un petit feu, puis c'est assez efficace. Allez voir ça sur YouTube, là. Il y a Fire Grenade en effet, là. Vraiment, tu vois le gros feu genre à l'huile, puis tu vois genre ils font juste lancer une ou deux grenades de feu, les incanteurs en bouteille quoi, puis le feu disparaît. Je sais pas si c'est quoi, si c'est comme un liquide d'incanteur ou c'est comme un liquide spécial anti qui absorbe l'air en fait pour tuer le feu, mais efficace, disons. Bon. Investiguons son corps. Premier truc qu'il faut regarder, c'est sa main. Pourquoi est-ce qu'ils tireraient la lance s'ils ont un couteau pour le tuer? Une corde brûlée. Bon, regardons son visage attentivement. Oui, le sang. Il n'y a pas eu de sang en dessous de tape qui est normal. Ok, c'est une information. Regardons le truc le plus évident. La grosse lance qui se traverse le corps de Nagito. Mmh.
Regarde ça. Je sais c'est quoi, c'est la langue de Gothnir. Belle référence au premier jeu. Regarde comment il parvient. Cette taille de sang manquant, c'est correspond, ça correspond à une taille de main. Non? J'arrive pas avec ça normalement. Bon, la main gauche. Il est découpé, il est attaché. Et sa main est parfaitement en bon état. Comme s'il tenait un truc. À ce moment-là, tu sais le comment, mais le pourquoi, c'est un autre détail. On va regarder ses pieds. On a fini de regarder son corps. Regarder son corps me fait aucun effet. Est-ce que je suis rendu habitué? Oui. Oui. Un corps, c'est quoi? C'est juste un objet sans vie. T'es rendu un meuble? Un meuble pas efficace, mais il peut servir de tapis, au moins. Bon, on va reculer. On va regarder le domino de Monokuma. J'entendais un bruit bizarre mon oreille gauche, mais juste la musique. Je l'ai jamais entendu. Ok. Oui, là, ok. Les monocumes ont été placés en domino pour avoir accroché le acteur là-bas. Une information assez inutile, je dirais.
Décider, je pense pas que c'est important. Non, je veux pas y retourner. Comment ça là, mon Tamagotchi va-t-il bien? Oui. Ah fuck, il fallait que j'aille lui reparler après. Ok. C'est vrai qu'il était suspect quand elle dit ce n'est pas une bombe. Mais comment elle le suit? Oui. Jesus shit. You son of a bitch. Sonia? Elle avait essayé les bombes pour éclater la porte, mais c'est un feu d'artifice. Puis, on peut voir Monomi en bas à gauche. Pour prouver. Maintenant, on le finit ici. Et on peut aller à la base militaire, au Plush Factory, au Nizuma Castle et dans sa chambre. On va aller au plus proche en premier. Littéralement à l'endroit où est-ce qu'on est. Vérifier la les feux d'artifice. Donc soit ça fait partie du truc. Le laptop. Bonjour Sonia. Oh.
Ouais, ça t'en ai déjà parlé. Ok, tu savais que si on met une bombe dans le molécule, ça fait une arme. On savait ça déjà. Ramener la bombe de l'octogone. L'octogone qui était le bâtiment spécial qu'on était juste avant, en chapitre 4. On va aller là. Nope. Ok. On va aller plus vite, on va aller se téléporter. Dans la chambre de Nagito. De l'explorer en premier. Ok. Bon. La gauche, à la base militaire. Right. Ouais. Ça va, mais pour toujours la question, pourquoi est-ce qu'une île touristique aurait une base militaire? Des bombes là-dessus. Et sur mon laptop. Donc t'es censé être une information importante. J'ai eu aucun indice. Bon, on va aller au Nezuma. Nezumi? Nezumi Castle. Le château. De souris. Nezumi. Parce que tout le monde sait bien que les ours ont peur des souris. Bullshit. Et il y a une lance qui a disparu. On a littéralement récupéré que 3 indices. Juste 3 indices?
À part le... À l'extérieur, même pas un. Tous les indices qu'on a, c'est tout juste sur le corps de Nagito. Et dans le cabanon. Désolé, j'étais juste concentré sur un truc bizarre. Qui a pas du tout rapport, puis pas du tout important à le dire, mais. Juste pour dire qu'il y a un Monokuma ici. Un Monokuma caché qu'il faut récupérer pour la Shinmen des moitiés Monokuma et tous les Monokuma récupérés. Une bonne demande, il est où? Voilà. 5 sur 5. Je me demande qu'est-ce qui est suspect dans cette chambre. Un masque à gaz puis des gants. Ok, je me demande à quoi ça sert. Ça peut servir. Eh, des indices. Un bout de papier. Un bouchon. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre en dessous du lit? Oui, il y a cet objet de, qui ressemble à un bouchon de mayonnaise. Non vert. Ah, ça doit être important. On va le garder. Alors, quoi d'autre qui est très important? Le sofa. La plante. La grosse boîte qui brille. Non, le frigo. Le frigo, il est spécial. Poison. Le nom du poison. Le poison spécial de Monokuma. Pour empoisonnement, usage seulement. C'est sûr, c'est du. C'est du poison, c'est sûr que tu es empoisonné. C'est que c'est le poison, ils vont parler de poison pendant 10 minutes. Pendant ça là, moi je peux parler d'autres choses. Si vous voulez pas m'écouter, vous pouvez toujours lire. Juste pour vous avertir qu'en ce moment, Twitch a un problème de connexion. J'ai vu ça tantôt hier.
tantôt et hier plutôt. Ok, avant, faut que je dise. Elle peut être vaporisée. Voilà. Puis, j'ai vu que. Il y aurait certains comptes qui auraient des problèmes de connexion en tant que tel. Ça veut dire que. Je sais pas si c'est en tant que viewer ou certains de streamer que t'as des problèmes. En tant que tel, habituellement, t'as genre 10 000 bots dans le chat. Puis les trois dernières fois que j'ai stream, j'ai même eu un moment donné que j'étais à zéro viewer. Alors que je me regarde sur mon téléphone, je me regarde moi-même à Streamlabs. Puis je me regarde moi-même via Twitch. Pour être sûr qu'il n'y a rien, s'il n'y a aucun problème. Donc, je devrais me compter. Ils sont en train de parler de la bombe qui peut venir à la même place que le poison. Ok. Donc, juste vous avertir que si vous êtes en chat, puis même mon coloc il m'a dit ça l'autre fois, ben, quand il essaie de se connecter, il s'est connecté, il était même pas capable de m'écrire vu qu'il semblait que Twitch avait trop de problèmes, le système de chat était dedans. Donc si vous êtes là en ce moment, inquiétez-vous pas si vous pouvez pas écrire. Juste essayez jusqu'à temps que ça marche. Donc je peux pas rien faire. Twitch est en train de travailler là-dessus, donc juste paniquez pas. Bon, la grosse boîte. Faut pas oublier que Twitch en ce moment est en train de passer. Ils font des changements en ce moment. Ils ont cancellé. Ils ont détruit. Ben, pas du tout. À partir du 1er janvier. Twitch Music, ou je sais plus trop le nom, va être supprimé pour que l'argent qui allait à ce département-là va à l'argent à d'autres départements. Sûrement parce qu'il n'y avait pas assez de monde qui l'utilisait. Et qu'est-ce qui était Twitch Sing? C'était un système de karaoké de Twitch. Ouais. Ok, premier jour, j'ai rencontré tout le monde. Que Monokuma est apparu, deuxième jour, Byaku est devenu leader. Non, c'est le journal intime de Monomi. Mais qu'est-ce que le journal intime de Monomi fait dans la chambre de Nagito? Jour 16. On était dans le fun house depuis 3 jours, tout le monde avait faim. A jamais été dans la chambre, le dead room, avec une personne croyait en lui. Comme, ok, donc mon ami aime observer de loin. Ça reste assez bizarre que comment est-ce que Nagito a réussi à voler son journal intime. Eh.
C'est impossible de écrire. Non, je suis capable. Je suis capable d'écrire B. Parce que t'as pas de main. Oh mon dieu! Donc, on aurait des doutes que ce soit vraiment Monomi qui l'aurait écrit. Non, où est-ce que ça nous amène? Absolument nulle part. C'est quelque chose comme ça, le narrateur dit... Je devrais pas lui demander tout de suite, c'est comme... Le narrateur sait déjà c'est qui a écrit le... Pas narrateur, mais... Nagi? Non. Comment ça s'appelle déjà? Makoto? Ajime, tu sais genre... Je sais ça, je trouve ça bizarre, ça. Je mets les deux ensemble, je sais déjà la réponse. Que Nakito nous avait caché. Quand même. En gros, c'est comme si ce document est juste pour moi. Pourquoi il est autant épais? Ben oui, t'es normal. Donc, tu devrais avoir beaucoup de pages. C'est comme, il n'y a pas que c'est une information sur Zuishi, Fuyoko, Akane, Sonia, tout le monde sont morts. On n'est pas un ultimate, malheureusement. On n'a pas le... On a un qui a pas de nom. Quand même drôle, il a quand même regardé 16 pages. Puis il a fait. Wait. Je vois pas le nom de Togami, mais il m'a dit. T'as compté 16. Regarde la 16ème personne que tu reconnais pas le nom.
Il est pas plus pas plus direct que ça. Il semble que mettons c'est à page 8. C'est genre random gros. Parce que le bien accueilli a été gros. C'est comme random gros. Bah. Tu devrais savoir. Parce qu'initialement, il fait genre, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il arrive jusqu'à 16, puis c'est comme, hey, c'est vrai, il y en a un qui est même pas là. Il a même pas regardé les champs, rien, c'est juste. Blé. Ultimate imposteur. Ou est-ce que si on veut savoir plus d'informations sur ce personnage-là? Je vais le redire encore une millième fois. Allez voir l'anime. Dragon Pas 3 Despair Arc. Quelque chose comme le mec il est fat mais il est quand même capable de tromper le monde en tant que tel. Si il est capable de tromper le monde parce que le monde connaît pas la personne d'origine. En tant que tel, c'est ça. Si tu veux voler l'identité d'une personne, ben c'est beaucoup facile sur une place où est-ce que personne sait l'origine de la personne originaux. Parce que mettons sur ton papier écrit tu fais 5 pieds 10 puis tu fais 5 pieds 8, ben tu peux dire ben, j'ai eu un accident, on m'a enlevé une partie d'os, on m'a changé les os, fait que j'ai rapetissé. Ok, c'est vraiment faible comme excuse, mais. Ok, F1. Logiquement, oui, c'est un étudiant, je te ferai dire. Aucune information de comment qu'est-ce qui s'est passé, même si on peut facilement juger comment ça s'est passé. C'est on voit du poison à moitié vide, donc on peut dire ok il l'a utilisé, mais comment? Est-ce qu'il s'est suicidé? Peut-être. Mais il est écrit qu'il était sa première marché en évaporant. Donc, est-ce qu'il aurait fait, il aurait fait un setup avec le feu pour se tuer? Mais pourquoi est-ce que. La question c'est, est-ce que c'est ça qui l'a tué? Ou est-ce que c'est la lance et le couteau qui l'a tué? Parce que je suis pas mal sûr qu'avoir une grosse lance comme ça dans ton ventre.
pense que t'es capable de survivre au moins un bon 2 heures si tu gigotes pas trop. Si t'as des soins parfaits juste après, mais. Non. Mais ça reste que c'est assez spécial, disons. Vu que tu dis, ok, bon, on a un gars qui était emballé, qui s'est fait. C'est quoi stabé en français? Il s'est fait trancher, vous voyez. Il a failli brûler. Il s'est passé des trucs. Disons. Sérieux, c'est quoi se taber en français? Google Translate. Tab. Je vais te poignarder. Je connais pas ma langue. Le lapin qui veut aider, mais considérant que c'est pas un personnage tellement sérieux de toutes les longues comme on non, on peut pas la croire. C'est étonnant, le seul moment que Monomi est vraiment sérieuse. Ça détruit son caractère, mais ça fait quand même ça donne l'effet pour dire que ça va vraiment mal. Bon, I'm a big boy. Gao. Ah, sérieux? Je sais pas pourquoi, mais d'habitude, j'ai genre 3 bottes. Je sais pas parce que je me suis assemblé dehors 2 semaines. Je suis revenu la semaine passée. Fait que les bottes me m'achalent plus, mais. C'est bizarre. C'est vrai que sur plusieurs procès, Nagito était genre ah, j'aide beaucoup, c'est vrai. Malgré qu'on a déjà vu les indices il y a moins d'une heure, on va quand même regarder un indice à la fois pour comprendre ce qui s'est vraiment passé.
Puis oui, c'est vrai que parfois qu'on a raconté Nagato, il fait une personne normale, mais au moment qu'on a eu le procès, c'était une personne complètement différente qui était fou allié de l'espoir et des ultimates. Il pensait que vraiment que tout le monde était le piédestal pour avoir un espoir plus grand. Qui était pas quelque chose. Faire ça. Ça reste quand même compliqué de savoir qu'est-ce qui s'est passé, VD. À ce moment-là, le chemin de tout le monde avait un alibi. Est-ce que j'ai eu une nouvelle? Non. Indice numéro 1. On sait que ça s'est passé à midi, donc on peut savoir l'heure que ça s'est passé. On sait qu'il y a eu une lance qui l'a traversé l'estomac. Je suis pas mal sûr encore qu'on peut survivre facilement à ça. Il y a des couteaux sur les bras et les jambes. Et sa main droite a été empalée. Les blessures à ses jambes et le fait qu'il est attaché avec des cordes ressemble à des trucs de torture. La corne de son bras droit est attachée. Mais a été brûlé, mais étrangement, malgré que le feu soit proche de lui, il a l'air quand même propre. Le couteau qu'on a trouvé à base militaire. Le fait que sa main gauche a des traces de sang quand même placées assez non naturelles. Comme si sa main était fermée. Sa bouche était couverte de duct tape. Malgré les éclaboussures, il n'y a pas eu de sang qui a passé en dessous du tape. Puis le tape, il y a beaucoup de crinkles, donc de frissures, genre de plis. Comme s'il voulait s'en débarrasser avec sa bouche. C'est ça, il y a une lance qui traverse son corps. On sait pas pourquoi, mais il y a un plushie qui est proche du feu, qui est quand même assez gros, qui a un trou ensanglanté. Voilà. Une trace de sang au plafond. Des dominos. Un lecteur qui est allergique du point de feu. Un MP3 que Marc a fait du son. Ça n'a pas vraiment d'importance. Sonia savait que les bombes n'étaient pas des bombes, vu qu'elle l'a testé et que mon ami peut prouver parce qu'elle l'a vu. Monokuma savait que les bombes étaient fausses. Mais il n'a jamais révélé à qui que ce soit le fait. Un journal intime de Monomi ou pas. Selon mon document, Monomi n'a pas écrit. Ne peut pas écrire. On a trouvé un masque à gaz et des gants donc, en dessous du lit de Nagito. On a trouvé un bouchon de truc en aluminium. On a trouvé du poison dans le frigo. Le poison prend effet immédiatement et malgré que sa vélocité est basse, le liquide est très dangereux quand il est évaporé. Donc, quand il est gazeux, il tue plus que quand il est liquide.
c'est plus lourd que l'air. Donc logiquement, si c'est plus lourd que l'air, ça veut dire qu'il va, en termes de couche, il va aller bas, tout en bas. Et il se disperse en quelques minutes, mais à l'eau, et est susceptible à l'hydrolyse. Non, il se disperse encore plus avec de l'eau. Ou quelque chose du genre. Ou il disparaît avec l'eau. Ça doit être sûrement ça. C'est possible que quelqu'un empoisonne une mort sans difficulté. Et il faut garder le liquide dans un endroit frais. Dans une bouteille de vitre, de plastique. Ou éloigné du soleil. Un livre avec les 7 personnes dedans. Et c'est ça. On va se regarder. Donc, on peut juger que... Peut-être que c'est le poison qui l'a tué. Comment? On va savoir. Comme la première fois que mon ami est pas dans des cordes. Selon la logique, à cause que Nagito voulait révéler le traître l'aurait mis en silence. Selon sa logique.犯人の目的は口封じじゃねえって。この間を拷問することなんだって。この間さんの死体が傷だらけなのは犯人が、この間を拷問したからです。それであんなに痛めつけられて。おい。拷問して何を吐かせようとしたのかな。爆弾の隠し場所ですよ。なあ。だとすると怪しいのは 最初に爆弾を見つけたやつってことか。Non。それってクズ流じゃねえか。俺が見つけたのはたまたまだ。Oui。俺が拷問なんてやるわけねえだろ。OK, je sais même pas par où commencer. Juste pour te tirer. Ah,
Ok, qu'est-ce que j'ai envoyé? Ouais, j'ai envie de la tête. Oui. Pourquoi est-ce que tu mets, pourquoi tu t'imprègnes quelqu'un pour faire en sorte que t'avoues quelque chose? Oh boy. Alors quand même que l'indice duct tape va marcher deux fois d'affilée. Juste pour savoir, Vaga, c'est encore là? Juste pour savoir si t'es encore là, j'ai écrit 1, 2, 3, bonjour, je sais pas. Au moins tu me dis que maintenant tu peux écrire, je sais pas. Alors, ça peut que ton Itsu t'es peut-être là pis mais je te vois pas, mais... Si t'es là, ben bonjour. Si t'es pas là, ben bonjour quand même. Vraiment, Twitch a un problème.彼はガムテープの下で必死に口を動かしてたんじゃないかな。むしろあのガムテープは叫び声を上げさせねえための犯人はただ苦しませるためだけに、あそこまでのことをしたとおっしゃるのですか？だとしたら、正気の沙汰じゃねえな。いや、ただ狂ってるだけじゃねえ。それに、そうでなきゃ、現場に放火して丸ごと証拠隠滅させるなんて真似はできっこねえ。ん？倉庫の火事って証拠隠滅のためだったのか？ それ以外に考えらんねえだろ。ただ問題はそれをどなたがやったかです。あの火事があった時はここにいる全員が倉庫の前に揃っていました。ああ、そんで俺が倉庫の扉を開けた直後に奥から火が上がったんだもんな。つまりここにいるだれかが放火したとは考えられないはずなのですが。 犯人は俺ら以外にいる。なわけねえよな。今偶然にしたってタイミングが良すぎるしな。今までのパターンからするとここに何らかの仕掛けが使われていると考えるべきかもしれませんね。何らかの仕掛けってでドミノ。さすがはソニアさん。さま、よっしゃ。ソニアさんの意見を元に考えてみようぜ。発見承知のつけです。 Ah non. Voilà.
Ouvrez la porte. On était proche. ことが それに何か意味があったのか。きっと犯人はあのモノクマのパネルを利用してドミノ倒しの仕掛けを作ったんだ。ドミノ倒して並べた牌をパタパタと倒して遊ぶあれのことだよな。やばかめんけどそれドミノ。 Si tu penses au domino, tu penses toujours à l'effet de tomber un sur l'autre pour que ça soit un effet plus gros. Mais en fait, le jeu du domino, c'est vraiment, c'est quelque chose d'autre. Comme dès que, mettons, s'il n'y avait pas assemblé les panels droits assez correctement, ça n'a pas marché. On est rendu deux. Bonjour. Tu me dis c'est toi, Johan, mon coloc, qui peut pas écrire. Si c'est le cas, écris-moi sur Discord. Finalement, truc de domino. Non, la musique. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était la musique. Ah, ça saute, ça servait la musique. Je vais complètement oublier. La porte était barrée par un des monocumas. Même mon bot à moi, il est même plus là dans le chat.
そうやってグッズ倉庫が火事になったはずなんだけど。なんか浮かねえ顔だな。あの時オアリさんは言ってたよね。扉が少ししか開かないって。パネルが突っかえてたせいだろ。あの時の隙間ってさ、とても人とかが出入りできる隙間じゃなかったよね。それが何か問題。大問題だよ。だってグッズ倉庫の出入り口ってあそこだけなんだし。Donc s'il y avait une personne à l'intérieur, il n'aurait pas pu sortir, c'est ça? Voilà. Tobira ga skoshi shika hirakanai kurai, panel o mitchak sasete oitara. Naka ni ita hannin mo soto ni derarenaku naru yo na. Soiya sou da. Ja, naka ni kakurete tan janai ka? Dare ga da? Orera wa zeiin souko no soto ni itan da zo.今までのパターンからするとここに何らかの仕掛けが使われていると難しく考えなくても実はそれが可能な人はナギトあのヒナタさんナギト se serait suicidé selon le pattern du domino これが俺の答えだMais il n'y avait pas juste ça, c'est un problème. Komaeda datta to shitara. Oda. Nande Komaeda no namae ga dedekun da yo. Are wa tada no higaisha ja nakatta. Ha? Tada no higaisha ja ne tte douyu imi da yo. Ça serait si ça serait. Komaeda kun wa higaisha. Vu que je sais, mais si ça serait juste. Higaisha datta. Un suicide. C'est un peu overdéveloppé. Rendu. Ben.À partir du juste deuxième indice qu'on a, c'est comme, ok, ben fini. Et ben pourquoi il aurait fait tout ça, si, genre, deuxième indice, les panneaux, les dominos. いくら小前田ほどの変態だって自分の両手両足を全部縛るなんて不可能だろう、うん、そうだねおお分かったならいいけどよ小前田君が自分を縛った方法については話し合う必要がありそうだね話し合う必要だそんな必要あるかどう考えたって不可能じゃねえかよBon. Je dirais la corde brûlée. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. 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 Vous ne l'avez pas.歯を使えばいけんじゃねえか。それか、男の尻尾を使う。No。下ネタかよ、下ネタなのかよ。On peut pas avoir ça. Si on assume que Naito comme une cuisine, comment il serait attaché lui-même? 自分の両手両足を縛るなんて不可能に決まってんだろうが。両足だけならともかくさすがに両手は無理ですよね最後に残った腕がどうしようもねえぞ少なくとも自分一人じゃ無理だ No, OK しまった自分の両手両足を縛るなんて不可能に決まってんだろうが両足だけならともかくさすがに両手は無理ですよね最後に残った腕がどうしようもねえぞ少なくとも自分一人じゃ無理だ歯を使えばいけんじゃねえか Non, je sais même pas qu'est-ce que je fais bon, je vais pas l'avoir ton micro celle-là 自分の両手両足を縛るなんて不可能に決まってんだろうが両足だけならともかくさすがに両手は無理ですよね
Ça va finir. Voilà, je savais. C'est pas impossible. Vu qu'une une corde qui est pas vraie. その前提自体が間違ってるんじゃないか何がだよだってあいつはいや両手両足じゃなかったはずだ右手のロープはすっかり燃えていたあれだと縛られてたとは言えないはずだあれは火事のせいで焼けただけだろう火事のせいで焼けた確かにそう見えなくもないけどSi la corde serait brûléePar le feu, le reste de son corps aurait été brûlé. La preuve, c'est le lighter. Non. Ça marche. Vu que ça marche, c'est pas brûlé. こんな燃え方、どう考えたって不自然だろ？きっと、あのロープはあらかじめ焼き切られてたんだ。じゃあ、小前田君の右腕は縛られてなかったんだね。あ、そのはずだ。ひなた、すげえじゃねえかよ。俺の胸ぐらいなら触らせてやってもいいぞ。ヘアリさん、そんな風に自分を安売りしてはいけません。ちゃん。いや、やっぱおかしいぞ。わかったよ。触らせる前に諭吉をもらえばいいんだろそうじゃねえお前だの自作自演の話だだってよ右手のロープがなかったとしてもその右手にはナイフが突き刺さってたんだぞ右手で右手にナイフを刺すのは無理ああそりゃそうだなNon, avec la plushie. だましたな、ひなた。すぐに諭吉を返しやがれ待てよだったら聞かせてみろやしょうもないことだったら諭吉を万倍で返してもらうからなLe plushie vu qu'il pourra il a pu mettre le couteau dans le plushie pour se stabber ナイフを上に投げて落ちてきたナイフが右手に刺さったとは考えられませんかナイフ投げの達人かよ何かにナイフを固定しておいてまだそれに賛成だトウシンダイのモノクマぬいぐるみだあれをナイフの固定に使ったんじゃないかそっかだからぬいぐるみのお腹にあんな穴が開いてたんだねあの穴にナイフの柄を差し込んで固定するIl faut quand même dire que le couteau je sais que c'est du ciment attends mais le couteau était planté mais il est pas planté au sol il était plus levé sa main puis ça ferait rien sauf que personne ne voudrait toucher au corps de Nagito premièrementなるほど一瞬マジでモノクマが死んだと思ったけどな血を出すぬいぐるみとか怖いよ髪が伸びる人形レベルのオカルトっぷりだよそうやってナイフを右手に刺した後で用済みのぬいぐるみを火元の方に払いのけたんだねうまい具合に火事で燃えてくれりゃ証拠隠滅にもなるって考えたんだろうなクズリュウさんそれならどうですか右手の傷は分かったけどよまだ一番でけえ問題が残ってる La lance 小前田の腹に刺さった槍だ要はあいつは自分に槍を刺して自殺したってことだろ順番的に考えれば致命傷になった槍が一番最後に小前田に刺さったはずだだったらどうやったんだすでにナイフの刺さった右手で槍はつかめねえし縛られてる左手で槍を扱うのも無理だろじゃあ槍を扱うのも無理だろ On sait juste que sa main gauche qu'il l'a我慢
Il y a quand même dit que ce... il est très prévisible, disons. Pour cette partie-là, c'est vraiment très prévisible. Mais pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi il a fait ça, ben il est mort. Il n'y a pas de pourquoi. ナイフが刺さった右手で槍を扱うのも難しいし無理ってことか。だけど私にはどうしても小前田君の死が他殺だとは思えないんだよね。それは私も同感です。あんな風に残酷に殺す人がこの中にいるなんて私には信じられません。 信じられないっていうか、信じたくないだけでしょ。でもそうやって今まで何度も裏切られてきたよね。だったら今回も。あんたは黙ってるでちゅ。皆さんの邪魔をするのはルール違反でちゅよ。それ以上やるようなら。ええ、もう物見殴れちゃった。だけど物クマの言う通りだよな。今回だってそうかもしんねえよな。 自殺で一件落着なんて虫がよすぎるっつ。でも、相田さんは私たちの中に犯人がいると。もちろん、俺と相田君の言う通り。確かに私、でもね、私はまた騙されたとしても、やっぱりみんなを信じたいんだよね。何度騙されたとしても、それでも私はみんなのことを信じたいんだよね。 俺だって犯人なんていねえって思いてえけどよ。やっぱ自殺はありえねえだろ。本当に。けどよ、おめも言ったじゃねえかよ。あの状況で自分で槍を刺すのは無理だって。難しいとは言ったけど、無理だなんて言ってないよ。あの槍を自分に刺す方法。それはわからない。わかんねえのかよ。 Je trouve que j'aime ce meurtre juste parce que Nagito est mort. Mais pour le reste, c'est comme... Ouais, c'est comme non. On s'en fout un peu. Blood on left hand. 小前田君はどうやって自分に槍を刺したのか。みんなで協力して考えてみよう。槍が小前田さんに刺さった時、右手はナイフで塞がっていたのですよね。ブイン。動かせたのは左手だけか。けどその左手も縛られてたぞ。だったら左手も除外か。するとノコ。なあ、それはレポンス。歯を使ったか。 Je peux pas, c'est une blague. Voilà. Je veux la chimène de pas utiliser de pouvoir, ok. どうしてだよ。だって左手は縛られてたんだぞ。ただ、あの左手にはちょっと気になるところがあったんだ。手のひらの血痕なんだけど、なんだか妙な血痕だと思わなかったか？血痕が付着してるのは手のひらの下の部分だけで、そこから先が不自然に途切れてたよな。血が飛び散った時、そこまでしか届かなかっただけだろ。手のひらの血痕の説明はそれで済むかもしれないけど、ほら、手の裏の。
Pourquoi est-ce qu'il y aurait du sang sur ses jointures si sa main est ouverte d'un côté? He was holding the spear. Ripping. あいつの左手は握られてたんだろうな。だから手のひらと手の甲にあんな不自然な形の血痕が残ったんだろう。まさか自分の尻尾。そうじゃなくって、槍を握ってたに決まってるじゃないですか。そういえば小前田君の左腕って他に比べて傷が浅かったよね。槍を握る握力を残しておくために。 わざと傷を浅くしておいたのかもしれないよね。けど、縛られた左手で槍を握ったところで自分に刺すのは無理だぞ。ななみはどう思う？おい、まさか眠くなったりしてないよな？こういう時はいい角度から叩けばいいんだよ。あ、ひらめいた！マジで？ La partie qui n'avait pas de sang. The cord. Souka! Souka! Komaeda wa yari no e no bubun janakute. Soko kara nobita muchi no bubun wo nigitte tan janai ka? Je pense que ça aurait été plus efficace pour lui d'avoir fait un système à cordes. Au moment que le truc il brûle, la corde brûle, fait que ça lâche la lance. Sauf qu'il y a quelque chose d'autre pourquoi il a fait ça. お前だが左手で握ってたのがこの部分だったんだな。そんで本来はこの部分につくはずの血が小前田の左手の方についちまったんだ。で、どうして槍のどの部分を握ってたかが重要なんだ。鞭の先端を握って槍を振り回して自分に刺したとか言わねえだろうな。そこに全ての謎を解く手がかりがあるのですよね。すみません。 S'il tenait la corde, comment il s'est transpercé? Avec le truc qu'on a vu au plafond! Oh boy! Il était dans les airs, suspendu. Oh my god, c'est prévisible. Puis je dis pas ça parce que je m'en souviens, c'est juste que c'est vraiment prévisible. Je pense que c'est un Eggman Gambit. Oh my god. Bonjour. J'étais pas là. Question 1. Above. Oui.
Question 2. Qu'est-ce qui était dessus le ceiling? Les sprinklers aussi serait bon, mais non, le ceiling. Non, il n'y avait pas de sprinklers vu qu'il n'y avait pas d'eau. Bruh. Je me rappelle pas, je pense qu'il y avait même pas de ça en easy. Question 3. Quel était connecté au spear au balacan? Même si en vrai, je suis pas d'accord avec le truc, vu que il y a le poteau qui est là, le truc est à côté dessus, ça je peux comprendre, mais je suis désolé, mais si tu laisses la force, la cave va coller, mais si c'est trop léger, la cave peut juste partir dans les airs et atterrir. Donc, je suis pas sûr que ça marche. Bonjour Itsu, j'espère que tout va bien. J'essaie de réfuter la logique de ça. je vais très bien, merci. J'ai juste un peu mal au dos à cause de la chaise qui... qui est plus confortable, disons. Je pense que je vais le répéter pour la troisième fois, mais j'aime ce murder case là. Parce que Nagito est mort. Un. Deux, parce que c'est comme... On va savoir ça plus tard, mais genre... Le twist de vraiment deux fins, qui est quand même bon, mais pour le reste du murder case, je suis désolé, mais c'est vraiment prévisible. Et cette partie-là qu'on vient de dire, c'est quoi, comment il a fait. Je suis désolé, mais on sait comment ça se passe. Tu le vois. Puis aussi, la question c'est pourquoi il s'est tranché. Il n'y avait pas besoin. Dès que oui, aussi Kuzushi, il était rendu fou. Il était tellement fou juste pour savoir qui était qui est le traître.
俺たちは間違った答えに言う。あいつの目的は俺たち全員の処刑だったんだよ。そのために自分をメッタ刺しにしたってのか。そんなに俺らを全滅させたかったのかよ。冗談。En parlant de bizarre, du monde qui sont passés au fou, j'ai vu ça avant de live. Tom Tillis, je sais pas c'est qui, mais on pense que c'est un gars qui fait partie du gouvernement américain. Il veut que tous les streamers de Twitch qui reçoivent un DMCA, donc un problème de droit d'auteur, aille en prison pendant un certain temps. What? Parce que j'ai pas respecté les droits d'auteur de quelqu'un, je dois aller en prison. Ouais. Genre, c'est, genre sur Twitter, c'est genre populaire en ce moment. C'est hashtag stop DMCA. Puis juste Twitch lui-même. Et en problématique. Non. Non. Puis il y a Twitch qui a... Twitch a ban le mot simp et virgin. Merde, j'ai pas le droit de la dire. What? Ok, Twitch, il a de la misère ce moment. Ok. Ah, puis le gars, ouais, non, il est pas bien de lui. Ils vont faire quoi? Ils vont aller chez moi pour parce que j'ai pas respecté un droit d'auteur? Puis ce que j'ai vu, c'est que ça s'appliquait pas seulement sur, sur Twitch, mais il va aller aussi sur YouTube. Eh. Pourtant, je comprends quand même pas que avant 2020, Twitch, genre en 2016, genre, Twitch était une plateforme. Il n'y avait pas de problème de droit d'auteur, y avait, tout le monde était dessus, tout le monde allait bien. Il y avait quelques problèmes. Et... 2020, le COVID est arrivé. Le truc qui rend populaire. Droit d'auteur sur Twitch. D'autres problèmes sur Twitch, c'est comme. Je disais, mais le monde avant, Le monde s'en plaignait pas. Juste parce que la plateforme est devenue populaire. Ben, faut qu'on attaque la plateforme. Ce qui fait qu'on tue la plateforme. Ce qui était assez stupide en tant que tel. Bref, on va revenir à nos moutons. Morts parce qu'ils ont été tués, mais. あそこで俺らに手分けして爆弾を探させて誰にもアリバイがねえ状況を仕立て上げたんだ。誰が狛江田を殺してもおかしくねえ状況を。お互いを疑い合うように仕向けて、そんで自殺の真相を隠そうとしたんだ。それだけのためにあんな騒ぎを起こしたのですか？On va revenir à pas nos moutons. De toute façon, faut pas toujours dire si tu vois une loi qui passe pour un truc. Que tu vas dire que c'est vrai. Qui va savoir arriver parce que je suis désolé, mais je pense que c'était il y a 2 ans ou 3 ans. Il y avait un gars. Littéralement, c'était le 2 à 3 mois le plus populaire de sa vie. Il y avait un gars qui avait demandé au gouvernement que, en plus de payer pour tes frais internet, tu dois payer pour tes sites. Je me rappelle plus c'est quoi le nom du truc, mais ça c'était populaire il y a 3 ans, puis il a failli gagner. Donc il est passé à la cour. Il était à cour niveau 1, puis il semble qu'il a été à cour jusqu'à niveau 3, qui est un des plus hauts, mais. ありえねえ話じゃねえだろ。そう、
Faudrait que, ouais. C'est pas parce qu'il y a une personne qui dit qu'il va faire ça que ça va arriver. Et surtout que c'est encore plus bizarre que quand tu fais le DMCA, dans les droits d'auteur. Pour quelqu'un qui est débutant, qui sait pas quelle musique est sous quel droit d'auteur, c'est comme ok, t'es en train de me dire que tu vas envoyer un gars qui savait même pas ça en prison pendant genre 2 semaines. Puis s'il envoie en prison, ça veut dire que t'auras un dossier juvénile? C'est comme... un dossier juvénile pour avoir volé des droits d'auteur? Non. Vous savez que le gars qui fait son premier live, son premier vidéo YouTube, qui met une musique... qui est copyright, il faut s'envoyer en prison, puis voilà, il peut plus travailler dans la moitié des trucs maintenant. Parce qu'il était en prison, parce qu'il étudiait de musique. Non! C'est clair que ça se votait contre parce que ça n'a pas de sens. Là. Bref. Mouton, jeu. どっちにしろ小前田が自殺ってのは間違いねえし、まあそうですよね。今更他の決じゃあこれで最後の学級裁判も終わりで、そんな発表エンドを迎えていいんだな。いや、いいっすね。犯人が決まったってことで、わかりました。では、いや、ちょっと待ってくれ。ちょっと待って。もうだって、なん、悪い。もう少しだけ。 やっぱりどうしても気になるんだ。裏切り者の正体がですか？けど今の問題は誰が小前田を殺したかだろ。それはそうなんだけど、残ってる謎は裏切り者の件だけじゃないよ。どう考えても小前田君の自殺でもちょっと不安だよね。謎が残ってるのに投票タイムなんて。 おい、裏切り者だけじゃねえってなんだよ。他にどんな謎が残ってるっつんだ。小前田君の死に関係するもので、一つだけ腑に落ちないことがあるんだ。 Puis à ce moment-là du murder case que je fais genre, oui, il s'est suicidé, mais le Shaki qui fait genre, non. On va devoir faire plus. Je veux pleurer. Une pièce d'évidence. Des poisons? Non. Il dit des poisons? Non. J'ai manqué un bout. Ok. Quelque chose qui relie à sa mort une pièce d'évidence qui n'aurait pas pu. Non. Ouais.
On va toutes les faire. Il me semble que j'ai déjà fait celle-là. Une pièce d'identité qui a pas pu. Pas ça. Tu me que j'ai cliqué là-dessus. Oh well. Quelque chose qui ne peut pas. Ouais. On va toutes les faire. Sérieux? Le monochroma file. Il vient d'avoir deux game over juste pour. Oh my god. Au moins on l'a. Parce que c'est vrai qu'il. Ça fait du sens. Et pas parce que je l'ai déjà fait que je m'en souviens par cœur. C'est vrai que. Nagito ne peut pas trafiquer ça vu qu'on peut pas savoir les informations que. Monokuma allait mettre dans le document. The cause of death. Et normalement, je savais déjà la réponse. Ah, ton truc, ton truc. Ah! J'ai besoin d'un E. Il prend un dé. Ah. T. Non, merde. T. La moitié de ma vie. Ah, juste ça.
ですが、死因は一目瞭然でしたよね。お前田さんのお腹を貫いた槍、どう見てもあれが死因に決まってますよ。Sauf qu'il y a comme le problème avec Nagito, c'est comme... C'est quoi sa raison? C'est quoi sa motivation? D'avoir fait ça? Là, c'était... Ok, c'était punir le traître. Mais en tant que tel, des... Non. C'est encore plus bizarre vu que tu dis... Ah, ok, genre... Parce qu'après, il y a un anime. L'épisode de Nagito. Où est-ce qu'on a... Ben... ou un peu plus de son histoire, puis même à là, ça dit nulle part pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il serait suicidé. Et pourquoi il aurait fait toute cette histoire. Non, on peut juste spéculer de ce qu'il a dit. De ce qu'il a fait, plutôt. Ça reste assez spécial. ただの自殺じゃないっていうか、ちょっと思ったんだ。あいつは本当に俺たちを皆殺しにするために自殺したのかって。お前がをかばうのかよ。そうじゃない、俺が言ってるのは悪い意味でなんだ。悪い意味？あいつの悪意は俺たちの想像以上だった。それを思い出したからこそ気になるんだ。この程度でその悪意が終わるのかって。これくらいでたどり着けるような真実が、あいつが命がけで企んだ悪意だったのか。だって相手はあの狛江田なんだぞ。ぷ、面白いな。君は狛江田君のことを本当に信用してるんだね。彼の悪意を信用するからこそ彼の悪意を疑い続ける。なるほど、これって新しい形の友情のあり方なのかもしれないね。何が友情だよ。Parce qu'on croit tellement à sa folie que tu te poses des questions de si tout ça qu'il a fait, ça avait un sens. Oups, désolé.おいモノクマ、聞いただろ。投票は延期だ。ここまで来たんだから最後まで頑張ろう。私はそう信じてるもん。ジーン、素敵です。姫の皆さんは素敵です。そうです、皆さんの希望を一致団結させればどんな絶望だって怖くなんかないんです。Et le mitard. J'aime pas cette conversation. Mais j'adore la musique. Quand t'aimes pas la musique, mais t'aimes l'ambiance. Quand t'aimes pas la situation, mais t'aimes l'ambiance plutôt.
Bon. Quand même, le premier mi-temps, c'était... Il vient de se faire deny par ça servait à rien. あの槍が致命傷になったって前提で話を進めてきちゃったけど、それ以外の可能性を確認しておいた方がいい。いろんな可能性って言われても、よ。槍以外で致命傷の可能性があるとすれば、右手のナイフぐらいですけど、確かにひどい傷だったけど、致命傷にはならないんじゃないか。それを言ったら、両足の刺し傷と左腕の切り傷なんてもっと違うよな。 Vous avez mis meilleur perso, oui. C'est le meilleur perso, mais ça reste le perso plus. Il est moins pire que elle est moins pire que Nagito, mais ça reste. Ça reste bas. Poison. やり以外の致命傷を考えましょう。右手のナイフは違うんだよな。それ以外の傷でもないんだよな。それらの傷を全部まとめて出血多量で死んだってことはねえか。消し。残らない死因だったのでしょうか。Oui. Il poison. C'est vrai, j'ai complètement oublié qu'on avait d'autres indices. C'est littéralement ça qui vient de dire. J'adore quand même ça que genre, à part maintenant, on réalise, c'est vrai, j'ai d'autres, c'est vraiment, c'est vrai, j'ai d'autres indices. Genre, hey, il y a ça sur Nagito, il y a ça sur, le reste des informations, c'est comme, c'est tout sur Nagito. もし死因が毒殺だとしたら、狛江田さんの体に直接的な傷は残りませんよ。ただ毒殺だと体に特徴的な死斑が出ちまう場合が多いけどな。ええ。なあ、パスケシディポイゾンガーゼ。でもいくら死斑が出たとしても、体があれだけ血まみれになってたら、さすがに気がつかないよね。 まさか自分の体に傷をつけたのはそれを camouflageするためだったのか。そういう可能性もあるんじゃないかな。けどよ、お前は両手が塞がってたんだぞ。どうやって毒を飲むんだよ。左手は縛られて上に槍を握ってたし、右手にはナイフが刺さってたんだもんな。飛行性の毒でしたら、その前に飲んでおいた可能性もありますよね。いや、瓶のラベルにあった注意書きには 即効性があるって書いてあったんだ。じゃあ無理だろう。死ぬ直前は両手が塞がってんだからよ。ここで硬くなる尻尾の登場だ。おめえはその尻尾を過大評価しすぎだ。そもそもあいつの口はガムテープで塞がれてんだぞ。毒を飲むにしたって口に入れられねえじゃねえか。どうやっても毒を飲めないなら、もう見せかけてまだ可能性はなくなったわけじゃないよ。 Personnage principal, est-ce que tu es idiot? Ah, il y a une autre solution. Il écrit sur le truc. Gazeux. Ah, my god, ok. Mm-hmm.
Let's go. Question 1, dans quel état gazeux? Je sais même pas le reste de la question. Je suis à t'avoir. Question 2. Où est-ce que le gaz a passé? Par son nez. On respire par là. C'est-tu vraiment une question ou comment tu respires? Je sais pas. Je n'ai jamais respiré depuis 20 ans. Blablabla, le poison est pas les dans les airs, gazeux. それなら鼻から吸い込めばいいだけだ。その毒ガスを倉庫の中で吸い込んだってのか。けど倉庫に毒ガスが蔓延してたんなら。そうか。倉庫のスプリンクラーだよ。俺たちはあれのおかげで毒ガスを吸わずに済んだんだ。 En état gazeux, c'est plus lourd que l'air et ça détruit avec de l'eau. その上、毒ガスは空気に思い出しいから、逆に寝てた小前田は思いっきり吸い込んじまう。これだけ条件が揃うってことは、きっとただの可能性じゃないんだろうね。あいつの本当の死因は毒殺だったんだ。あいつの全身の傷も腹に刺さった槍も、俺たちをその真相から遠ざけるための。で、お前だが毒殺で死んだってのは分かったけどよ。 La vraie question, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe après? Et la façon dont on lit, c'est... Il s'est tranché les jambes, bras, il s'est transpercé le ventre avec une lance, puis il a mis du poison pour s'empoisonner. Ça retourne au même que ça serait lui qui se suicide, mais ça finit pas là, évidemment. すべての謎は解けたはずだ。安心して投票タイムに入れんだろ。いや、だ。なんだよ、まだなんかあんのか。おい、どうした？もう迷う必要なんてねえはずだぞ。 Sa motivation, c'était de trouver le coupable. Nanami-san, Komaeda-kun ga
自分で持ち込んだ毒を吸って自殺したんだとしたら、どうしてあの現場にはそれらしきものが残ってなかったのかな。それらしきもの？小前田くんが倉庫に毒薬を持ち込んだなら絶対に残ってなくちゃおかしいはずなのに。Tu mets un peu de bombe. Non. Le contenant, oui. Je sais pas pourquoi la réponse de Meat on the Bone, c'est comme... Ils ont fait ça juste pour le troll. De Teru Teru. それも注意書きに書いてあったんだけど。そんなの、あん時の火事で燃えちまっただけだろ。プラスチックかガラスの容器なんだよ。跡形もなくなるまでは燃えないよ。同じプラスチックで作られた消火弾の容器だって、ちゃんと破片が残ってたのにさ。じゃあ誰かがその容器を処分したってことか。それで共犯者か。そんなのありえませんって。だって共犯者なんていくらなんでも。つうかそれすらどっちでもよくないっすか。だって共犯者がいたところで小前田が自殺したのは変わらねえわけだし。そうだな、誰かが間違って現場から持ち出しただけかもしれねえしな。ああそうか。あ、そろそろ一件落着でいいんじゃね。それじゃあダメなんだ。は？あいつに小前田に見透かされてる気がするんだよ。誰も犠牲にしたくないって理由で一番楽な小前田の自殺ってだけで終わらせる。もしここに小前田がいたらきっと今の俺たちはあざけ笑うはずだ。君たちの希望なんてその程度だったんだねってな。小前田君のゴーストがささやいちゃうんですね。Oui, le fantôme de Nagito me soupire dans mes oreilles, ta délicieuse voix, de ces mots, de ces mots grandioses, remplis de désespoir. その容器の謎が判明したところで。だって自殺なのは一緒なんだもんな。もし共犯者がいたとしてもわざわざ暴く必要があるのですか。 OK, c'est vrai que tantôt je dis que c'était prévisible, mais à partir de là, de ce segment là, ça devient moins prévisible de comment ça se passe. Je dois avouer. それで終われるとは思えないんだ。もういいじゃねえか。知らねえ方がいいことだってあんだよ。それに俺らが気づかなかっただけかもしれねえだろ。Qu'est-ce qu'il a dit? Fire grenade. OK. Another Eggman. Fire grenade. C'est un F ça. F maintenant pour R. R.
moi. Merde, j'avais mon dé. Grenade, il me faut un dé. Voilà.消火弾の容器に入れて倉庫まで持ち運んだんだ。消火弾の容器を使ったのか？ああ、そもそも毒が入れられてた容器は誰かにこっそり持ち出された Oui. Cet idiot, il savait qu'on allait lancer des grenades anti-feu sur un feu. Oui. そのはずだ。私は最初にあの消火弾を見つけた時、少し調べておいたのですが、あの容器は蓋の下にさらにアルミで厳重に蓋をされていたはずです。そんなの。 蓋を剥がして中身を入れ替えればいいだけじゃねえのか。それはそうなのですが、ただちょっと待って。アルミの蓋だって。アルミの蓋だとしたら間違いない。やっぱり小前田は消火弾の中身を入れ替えたんだ。だからそれはねえ。そのソニアさんの言葉が根拠になるんだよ。ポッドマヨネーズ。ポッドマヨネーズはモンネミ。 Fait que voici, voici mon indice, un pot de mayonnaise de, des années 2000. On peut enlever le bouchon puis gars, le bouchon c'est identique. Je vais juste dire ce que Shaki a dit, ok? それと同じような青いアルミでした。消火弾の口に蓋をしてたアルミが、それにね、小前田君の部屋から見つかったのは、アルミの紙くずが落ちてたベッドの下から。それって毒を消火弾の容器に入れる時に使ったのか。危険な毒だからな。入れ替えの際に細心の注意を払ったんだろう。だからどうしたんだよ。レオンディ、ウエスキーを通して出された。 Non, c'est pas un suicide, vu qu'en tant que test, il y a une personne qui l'a lancé, ça veut dire que c'est cette personne-là qui l'a tué. À moins que la bouteille était là, cachée. Là oui. Mais c'est pas le cas. Shaki, fais-moi pas passer par là pour une troisième fois, s'il vous plaît. J'ai pas envie de jouer à Tetris. Pour eux qui comprennent pas ce que je dis, ils vont comprendre. Qu'on a tout lancé. Moshikashite ore tachi ga shoukadan o nageta toki ka? Sou da to omou. Watashi tachi ga souko no kaji o shouka shiyou to shite, doku ga souko ni mochikomare, soshite doku gasu tonatte Komaeda-kun o osotta. Watashi
Ça reste comme une idiot de la part de Nagito de pas avoir jeté son... le bouchon dans une poubelle plutôt que l'avoir mis en dessous de son lit. Le twist. Qui a préparé le poison? Nagito. Qui a mis le feu au bâtiment? Nagito. Pourquoi il aurait mis en feu? Pour que le traître faire en sorte que quelqu'un lance le poison. Juste à partir de là, pour moi, c'est comme... ça, c'est la raison pour que j'adore son meurtre. Parce qu'il réussit à faire un meurtre que personne ne peut résoudre. Sauf qu'on le résout quand même. Ce qui est assez paradoxal, disons. C'est quand même une question, c'est quand... parce que t'as lancé le poison, ça le fait qu'il a lâché la lance, ce qui a fait qu'il l'a transpercé. Donc s'il est mort par la lance, ça reste quand même la faute du poison. Cette logique ne marche pas. Vu que c'est quand même Nagito qui tient la lance, mais dire s'il serait assez fort pour... c'est assez bizarre. この真相の偽装工作にしか過ぎなかったんだ。あいつの本当の目的は誰にもわからない犯人を作り上げること。推理だけではどうしようもない謎を俺たちに突きつけることだったんだ。きっと自殺が偽装工作だとバレることまでは彼も想定してたんじゃないかな。解くことができる謎は結局解かれる運命にあるからね。
謎を解いていき希望を積み上げていったところで巨大な謎を叩きつける。解けない謎はないと思い込んでるお前らはそこで勝ってない絶望を味わうことになる。つまりあいつは今までの学級裁判の展開自体を自分のトリックの布石にしてたんだね。全ての謎が解けるとは限らない。ぷっぷっぷ、お前田君らしいひねくれたトリックだね。めちゃくちゃだ。そんなのめちゃくちゃだろ。私のせいです。超過弾があるなんて言い出してしまったせいで申し訳ありません。C'est vrai que si Sonia aurait pas trouvé les bouteilles, il n'aurait pas dit de. Les grenades d'antifeu. Ça aurait tourné assez différemment, disons. Oh. Est-ce qu'il y a des bots maintenant dans le chat? Peux-tu me dire pourquoi? Itsu, peux-tu me dire pourquoi à chaque fois que t'arrives, il n'y a jamais personne qui est là, même pas un bot. Quand t'arrives, les bots sont là. Tu fais partie de deux, c'est ça? T'es un robot comme tout le monde? Pareil, je pense pas. Parce que je trouve ça quand même bizarre que... Je sais pas si c'est Twitch qui a un problème avec, en ce moment, comme j'ai dit au tout début, Twitch, officiellement, il y a des problèmes de connexion en ce moment. Ouais, c'est ça, ouais, 8h. À 8h, t'es arrivé, les bots sont arrivés aussi. Ouais. その判断のつかない状況こそが小前田の狙いだったんだ。だからもう ですけど犯人がわからないのは小野熊さんだって一緒ですよね。そうまくあーぶたきゃウィーハペツァンぶたきゃよぱっぼっそこはうんちゃん sauf si la condition qu'il y a eu une autre personne que toi-même qui est d'aller dans la chaîne même pour deux secondes。Tantôt j'avais une personne. Je vais devoir te renommer Itsu, le rabatteur de bottes.なんでそんな羨ましいじゃなくてとんでもな能力があるんだよ。というわけなのでもちろん裁判は無効じゃありません。頑張って犯人を当ててください。当てろって言われた。諦めるし、うん、諦めるのはまあるのか。犯人を突き止める方法がなんとなくだけど、もしかしたらそうなんじゃないかって可能性が一つだけある。お、あのさ、もう一度最初から小前田君の犯行を振り返ってみてもいい？なんとなく浮かんだ私のアイデアが。だから日向君。Tu dois faire le truc final? Oui. わかった。Oui.Bon, on a quoi?On a Nagito, le poison d'un frigo, Yo le cabuchon, masqué là, je sais pas, donc non.L'autre d'à côté. J'aurais mis les trucs là-dedans. Ça c'est ça, donc
qu'on a besoin, c'est ça. Voilà, les feux d'artifice. Il s'attache. Oupsie. Monokuma, ça c'est ça, le poison, voilà. これが事件のすべてだ。今回の事件を仕組んだ張本人は 被害者だった小前田自身だったんだ。あいつはその計画のために必要なあるものを自分のコテージに隠し持っていた。オクタゴンから持ち出していたモノクマ特製の毒だ。小前田はその毒を軍事施設にあった手袋とガスマスクを身につけた上で、 ぬいぐるみ工場の給湯室から持ってきた消火弾の中身と入れ替えたんだ。その際にあるものが証拠として残った。それが消火弾の青いアルミの蓋だったんだ。そうやって毒薬入り消火弾を完成させた小前田はそれを手に工場へと向かい、 給湯室に大量に置いてあった消火弾の中にそれを戻したんだ。そして翌朝、俺たちの前に現れた小前田は爆弾を別の場所に隠したと告げると、俺たちにその爆弾を探させている隙に自分はグッズ倉庫へと向かった。 そこで小前田は放火の仕掛けのためにモノクマのパネルをドアから一直線に並べ、並べた先のカーテンの前に火をつけたオイルライターを置いたんだ。そこから小前田は自分が考えた狂気的な計画を実行していくんだ。まずネズミ以上から持ってきた槍の鞭の部分を現場の梁に通し、 グッズ倉庫の奥に結びつけておいたロープで自分の手足を縛っていった。ただしそのロープのうちの一つだけは事前に焼き切ってあったんだ。そうやって両手両足が縛られたと偽装しつつ、右腕だけを自由な状態にしておいた小前田は天井の梁を通した鞭の先端を しっかりと左手に握らせておいた上で、ぶら下がる槍の下で仰向けの状態になったんだ。小前田の狂気的な計画はそこからが本番だった。あいつは普通じゃ考えられない行動を実行していった。まず自分の口をガムテープで塞いで悲鳴を上げてしまわないようにしてから、 自分の左腕や両足の太ももを次々とナイフで傷つけていったんだ。そして最後にぬいぐるみに固定したナイフに自分から右手を突き刺したんだ。両手両足を封じられた上に拷問されて死んだんだと俺たちに思い込ませるためにだ。 それでも小前田はまだ槍を手放さなかった。
あいつの計画はまだ終わりじゃない。むしろここからが本番だったんだ。その頃、俺たちはぬいぐるみ工場でようやく狛江田のメッセージにたどり着いていた。そのメッセージを見た俺たちはすぐにグッズ倉庫に向かったんだけど、それは狛江田の思惑通りだった。そこでドアを開けたことがきっかけとなってドミノ倒しのトリックが作動し、そのまま薄暗い倉庫の中を倒れていったパネルはライターを倒し、そしてカーテンに火をつけた。突然の火事に驚いた俺たちはすぐに工場の給湯室から消火弾を持ってきた。そしてその消火弾を火元のカーテンめがけて次々と投げつけたんだ。その消火弾の中に狛江田が用意した毒薬入り消火弾があるなんて考えもせずにな。地面に落ちた毒薬は炎の熱で気化し、その周囲に充満していった。毒ガスはすぐにカーテンの裏側にいた狛江田の元まで届いた。しかもモノクマ特製の毒は気化すると空気より重くなる性質があったから、床に仰向けに寝ていた狛江田の付近はその毒ガスですっかり充満していたはずだ。そこで即効性のある毒を吸い込んでしまった狛江田は即死じゃないまでも気を失い、そして左手に握っていた槍の鞭を手放し、落下してきた槍によって腹部を貫かれてしまったんだ。これが狛江田の仕組んだ計画の全てだ。あいつの本当の目的は俺たちの中の誰かを犯人に仕立て上げることだった。その誰かは今となってはわからない。それは犯人でさえ自覚していない犯人なんだ。いくら推理しても決してたどり着けない真相、それが狛江田の罠だったんだ。犯人を決められないこの結末こそが、ah mon dieu, on est toutes la tueur. これが狛江田が仕組んだ罠の真相ってことになるはずだ。メイブトン。どうなんだ、ナナミ。犯人を突き止める方法ってのは使えそうか？あの、ナナミさん。やっぱ無理なのかよ。適当に投票するしかねえってことか？今の話はどれも当たってると思う。本当に犯人は誰でもよかったのかな？前に狛江田君が言ってたよね。Parce que c'était pas mal ça l'histoire du chapitre. Lui qui voulait savoir c'était qui le traître. Il n'y a pas plus AD que ça, disons. Je pense que c'est un peu plus.命がけのトリックを実行に移したんだよ。何が信じるだよ。それがどうしたんだ。いつ、え、けたか、な、プリザナンシャット。ほら、もう一つあったよね。J'aurais une question à te poser。そうか。あいつが信じてたのは。Moi, tu me dis que tu t'es endormi vu qu'il y a 3 heures du matin chez vous. Pardon.
に珍しいことじゃねえだろ。ここにいるほとんどのやつがそうなんだ。ただ彼の場合は特にそれが顕著だったよね。ほとんどそうだな。ドッキリハウスでファイナルデッドルームをクリアした時だってそうだ。On sait que tu as 5 balles de une. Est-ce qu'on vient d'avoir un flashback d'un flashback? Oh my god. Demo, aïtz no un ga dou shitan da? Nani mo kankei shite nai no ga hen. Watashi tachi o shinjiru kimochi o trick ni kumikonde oite. Sonna wake nakattan da yo. Aïtz wa nani? Non, Itsu est parti dormir. T'es peut-être parti chercher quelque chose à manger, je sais pas. ビデオメッセージで言って、服部ってことかよ。そうだろうね。あの時点でも彼の計画は動き出してたはずだから。Pour ceux qui traitent. La guillemot à Abridas Takenara. Nanimo Hanini, Stadagenak, tu vois, Ijaneka. O Kage de Orela, va taipinchidato. La guillemot, Noricoete, Misero, de Cotodaro. La guillemot, no shotai, Abaite. Sono Zetsubo, Noricoete, Coso. Orela no Kibo, Kagayak. Aits no Isona Cotodana. Monomita, Ita Cotogarimutai da Kedo, Tamate, eh? Isode.私の推理は終わりだよ。駒井田君の計画は裏切り者に自分を殺させること。どうする？みんなは私の推理を信じる。Oui, je te crois. Non, je vois qu'on est deux. Itsu, est-ce que tu es réveillé? Es-tu présent avec nous? Je te vois comme si tu étais un fantôme. 信じるしかないだろう。J'aimerais te poser une question. Oh, toi et tout. Quand on va coacher un d'un d'ailleurs de Tokyo sur Hameni Natchima. Demo, Shinji Takara, t'es dos reinda? Date, son nom Uragiri Monoga Wakan en datara. Tokyo no Shioga Neja Nega. So des yone. Imasara Nanori de Kurto Akanga Niku de Sushi. Non, c'est pas toi Itsu qui est là. C'est de quelqu'un d'autre. Tiens, en tant que tel, la seule chose que je veux savoir, c'est quand les vacances de Noël pour toi. Vu que comme moi je suis d'un autre style collégien, moi le gymnase, mes vacances ils commencent déjà, mais je veux savoir. Vu que je connais plus du tout les temps de vacances, surtout avec ce qu'on a en ce moment, c'est quand les vacances de Noël commencent, je veux savoir en fait.
tu genre la semaine prochaine, le 20 ou. Ça, c'est genre vendredi. Juste ça, je veux savoir. ななみ。どうしたんですか、ななみさん。だからね、私はみんなに当ててもらいたいんだ。当ててもらいたいんだ。それどういう意味だよ。ひなた君は誰だと思う？未来機関の一員としてみんなの中に送り込まれた。 なんで？みんなとは違うってことに疑問を持つことすら許されず。なんでだよ。裏切り者としてしか、みんなと接することができなかった。なんでなんだよ。その人はそういう存在だから、そういう存在としてしか。 存在できないから。シェキ、ディリエン。なんで？裏切り者って誰だと思う？ひなた君、お願い。ああ。やっぱ。お前が。 お前が裏切り者の正体だったのか。ちょっと待って、待ってください。ああ、正解されちゃった。さすがだね。大正解だよ。あのね、裏切り者って私なんだ。みんなの中に混じってた未来機関の人間ってね。ビプメンポで、allez voir l'anime。 Avec envie. Non, ça ne l'est pas. Oi, Nanami, maji de itten no ka? Nanami-san ga uragiri mono da nante. Uso desu yo ne? Jōdan desu yo ne? Gomen ne. Hontou nan da. Oi, nande ayaman da yo? Dōyū koto da yo? Omei wa imamade 俺らを騙してたのか。騙されてなんていませんよ。だってずっと一緒に頑張ってきたじゃないですか。ずっと助け合ってきたじゃないですか。ナナミさんが裏切り者だなんて、未来機関なんて恐ろしい組織の一員だなんて、そんなの嘘に決まってます。待ってください。未来機関が皆さんが思ってるような組織じゃ。なんてろ。 俺はナナミと話してんだよ。うん、話すことなんてもうないよ。なんでだよ。だってもう犯人もその正体も分かったことだし。だからあとは問いたいんだ。待てよ。あなたが裏切り者だとおっしゃるなら、ちゃんと納得のいく説明をしてください。納得しないまま投票なんてできない。 さっきナナミさんも言ってたじゃないですか。なあ、お前は本当に裏切り者なら、どうして自分から名乗り出るような真似をしたんだ。しかも、じゃあ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 、じゃ
俺にできっこないだろう。本当にごめんね。でもこれしか方法がないんだ。だからお願い。やるだけやってみるしかねえみてえだな。そいつが裏切り者だなんて信じたわけじゃねえが、確かめねえわけにもいかねえもんな。いっそのこと化けの皮でも剥がれてくれたら俺らも納得できるんだけど。化けの皮なんかありませんよ。だってナナミさんは裏切り者なんかじゃないもん。モノミッチ、私はね、そんな女の仲間なんかじゃないよ。Ça marchera pas, mon ami. Ça marchera pas. ねえ、それでかばってるつもり？私はいつも一人ぼっちで仲間なんてどこにもいないし、だからナナミさんとも何も関係ないんで、The fighting versus him。Hey, pour une fois, j'ai pas eu de problème de caméra. C'est juste fait inutile. Le petit A. Comment ça marche toujours? Mon ami, notebook. Ça ne veut pas être toi, vu que c'est pas toi qui m'a encouragé. Voilà. Je ne peux pas écrire. まさかそこに裏切り者の正体が書いてあったのか。はい、そういう展開になると思ってちゃんと持ってきましたよ。そのノートをよこしやがれ。そう、インフォメーションはもう。じゃあ、スキップ。これ、スキップ。今になってようやくだけどな。これ、スキップ。F2。Ce qui a été dit, c'est que le trait était indiqué dans le truc. Point. Somo, somo. Sore wa Monomi no nikki nanka janai. Elle peut pas écrire, elle a pas de doigts. Monomi. Je l'ai écrit no te. Monomi to tsunagatte ni dare ka. Tsumari. Uragiri mono to kangaete machigai nai hazu da. To suru to, koitsu wa俺らの行動を監視して、モノミに報告してたって証拠だな。ですが、そこからどうして裏切り者の正体がわかるのですか？それは、俺…いや、大丈夫、ジョンネー。そのノートには、こんな記述があったんだ。ジョンネー16、la fin de l'heure, 2-3 jours, tout le monde est fin. Puis Hachimé a voulu faire l'ennemi qui m'a pris une heure et demie. 45 minutes plutôt. それを知ってるのは、だからこんなことが書けたやつなんて何かの間違いです。だってナナミさんが裏切り者なら、プレイパー、今までナナミさんと一緒に過ごしてきた時間は何だったんですか？あれも全て偽りだったというんですか？I'm a big boy、ソニアさん、je pleure pas、c'est toi qui pleure、pas moi。ナナミさんはモノクマさんに操られているんです。だから
みんなで助けてあげましょう。だっておめえが裏切り者なら爆弾を見つけた時にあんなことするわけねえんだ。そういや、七海は真っ先に自分の生徒裏切り者の生徒手帳だけに反応するって言われて。ありえねえだろ。裏切り者ならもっと警戒してるはずだぞ。きっと七海は爆弾が偽物だって知ってたんだ。知ってたって違います。そんなの絶対に違いますって。どうして日向さんはそんなことを言うんですか。そんなに non, je pense que ce soit le trait, justement. そんなわけないだろ。私は信じません。七海さんが裏切り者だなんて絶対に信じません。だってそんなわけがないんです。でもそれじゃあ誰も救われないんだ。Moi, je me raconte, vu que c'est pas vrai qu'elle savait. Nanami, ça va, ou la guillemot, j'ai arrêté. Bagdan, nous, quand j'ai eu le temps, j'ai eu le temps. Nanami, 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 j'ai eu le実際に爆弾を使った私だけです。爆弾にかなり詳しくねえか。もうこの推し下げ見ただけで偽物かなんて分かりっこねえ。ええ、ジョナシメントだ。わしなしピザーブ。裏切り者じゃありません。爆弾の回ナナミはマス裏切り者なら、もっとの爆弾が偽物かどうかはナナミさんには分からなかったはずです。あの時点で偽物だと知っていたのは実際に爆弾を使った私だけです。な、な、ウサミにサベウサミ、ウサミ、ウサミナナミさんは裏切り者じゃありません。爆弾の回避、ナナミはマス裏切り者ならもっとの爆弾が偽ナナミさんにはわあの時点で偽物だと知っていたの。実際に爆弾を使った voilà ウサミ aurait pu le dire à Shaki mon ami veut dire 違うだろう。あれが偽物だって知ってたのはソニアだけじゃなかったはずだ。軍事施設の爆弾が偽物だと分かった時、そこには物見もいた。お前自身がそう言ってたはずだぞ。そうなんですか。ナナミはそれを物見から聞いたんだ。バレちゃったから白状するとね。偽物だって知ってたのにみんなに言えなかったのは物見から聞いたっていう経緯まで説明。聞きたくありません。もういいです。私はもう嫌なんです。ソニア。それに爆弾が偽物だと知ってたからって、だからってその人が裏切り者だなんて決めつけられないはずです。爆弾が偽物だと知っていても、ナナミさんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら、私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。夢バスケット。爆弾が偽物だと知っていても、ナナミさんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら、私だって疑われる。ああ、じゃあ、カペアドミカット。私も偽物と知っていたのですから。爆弾が偽物だと知っていても、ナナミさんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら、私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。どうして、パスイッカット。Je veux passer vite. 爆弾が偽物だと知っていても、ナナ
波さんが裏切り者という証拠にはなりません。それが証拠になるのなら、私だって疑われるべきです。私も偽物と知っていたのですから。あら。偽物と知ってることが重要なんじゃない。誰にそれを聞いたかが重要なんだ。そうだ、物見に聞いたってことがだ。あの爆弾が偽物だと知っていた人は、私と物見さんの他にもいたはずです。それは物熊さんです。先ほど物熊さんは島のことなら何でもわかると。きっと七海さんは物熊さんから、物熊さんあれが偽物だと事前に聞いたのです。Il l'a dit à personne. そうだな。モノクマなら爆弾が偽物ってことくらいは知ってただろうな。だけどモノクマは誰にもそれを話してなかったはずだ。のあいつは嘘なんてつかない。ひなたさんはナナミさんよりもモノクマさんを信じるのです。そうじゃない。それによう、ナナミが裏切り者だったとしても本当にそいつに投票していいのか。なんて無事い。要はそれって狛江田の運を信じるってことだろ。そうじゃないんだ。Il faut quand même dire que dans le sens que Nagito il a fait genre oui croire sa chance, mais le fait qu'on doit croire une chance pour lancer une bouteille, c'est quand même quelque chose. Komaeda, nan te shinjirare wake nee daro. Sou janai ndatte. Ore tachi ga shinjiru no wa Komaeda demo Monokuma demo nai. Ore tachi wa Nanami o shinjiru nda yo. Eh? Uragiri mono ga dou toka, so uragiri mono ga Nanami datta to shitemo, sonna no ore no shitteru Nanami janai. Ore ga shinjiru no wa imamade ore tachi to issho ni sugoshite kita Nanami dake da. Sono Nanami ga命がけで俺たちを守りたいって言ってくれたんだぞ。だったらそれを信じるしかないだろう。そうでなくちゃ誰も救われないじゃないか。ちくしょう。ねえ、ちょっと聞いてくれるかな。あのね、悲しむ必要はないんだよ。だってこれは今までのとは違うもん。みんなは今までみたいに誰かを疑って生き残っていくわけじゃない。みんなは私を信じて生き残っていくんだよ。あなたを信じて、あなたを犠牲にしろとおっしゃるのですか。ごめんね。千秋ちゃん、モノミちゃんもごめんね。こんなことになってきっといろんな人からすごく。でもね、私はどうしてもみんなを守りたかったんだ。それにそうできることが嬉しいんだよね。正しいか正しくないかは私が決めることじゃありません。ただあなたがそんな風に思えたことはとってもすごいこと。奇跡なんて呼べるかもしれないですね。ねえ、さっきから何を二人で話してるの。みんなポカーンってなっちゃってるじゃないの。分かってるよ。なあナナミ、心配しなくても大丈夫だよ。私を信じて、私に投票して。そっか。なんでこうなっちまうんだよ。Quand même un B, pour ça j'avais eu un C. Bon, on va y aller à notre tour parce que j'ai pas envie de cliquer.
J'aime mieux ne pas appuyer pour D pour que ce soit moi qui soit la cause de sa mort. C'est assez stupide, là, mais... Je suis quand même oublié d'appuyer. Fuck! Bon, Itsu, es-tu présent avec nous? Je vais demander à chaque fois que je vois un deuxième spectateur. Itsu, es-tu parmi nous, parmi les vivants, ou es-tu à moitié mort dans ton lit? C'est un détail. Je veux pas que tu marches qui... je sais même pas pourquoi je suis tombé... C'est ma waifu, j'ai... Tu parce qu'elle est Ultimate Gamer, puis quand je l'ai connue, c'était quoi, quand j'avais 16 ans... Non, même avant ça. Quand j'avais quoi, 15 ans? Ça fait déjà 6 ans de ça. Puis depuis, je lis de l'autre. Pourquoi je... C'est comme... Pour moi, je suis qui... En même temps, il est une parfaite gamer, donc parfait pour jouer avec moi. On a... Parfait pour discuter aussi. Elle a quand même le corps, quand même. Je veux dire... Voilà. Sa personnalité est... Elle est à la fois... Ben, c'est une dandere, donc. Elle est... non. En tant que telle, une dandere, c'est genre un introverte. Donc... Le fait qu'au début elle est vraiment gênée, mais après ça, plus que tu découvres, plus que tu vois comment elle est. Qui m'attire, je veux dire. Puis quand tu apprends qu'elle est genre. Qu'elle est super gentille, qu'elle genre, elle veut que tout le monde soit fier. Pas fier, mais soit en sécurité, soit heureux, disons. C'est comme... C'est comme la raison numéro 1. Sa personnalité en tant que telle, puis oui, il y a aussi son corps, mais sa personnalité... Donc aussi, c'est aussi dès son talent de gamer. Gameuse plutôt. Fait que je suis en amour avec elle, mais bon. On peut pas tomber en amour avec du 2D, mais... On peut acheter des trucs. Hey. Je suis quand même fier de ça, ok? J'ai acheté genre 15$. Je suis fier, ok? Elle est là sur mon bureau en train de m'encourager à chaque jour. Pas envie. Et puis, c'est genre, comme j'ai dit tantôt, allez voir quand même l'anime, mais même si ce que je vais dire c'est un spoil. Le fait que j'ai dit tantôt que. Je suis rendu jaune. J'ai pas de caméra pour les caméras toute la journée, à part depuis que j'ai amené ma waifu, évidemment.
Mon Shaki, t'as tout détruit ma caméra. Ouais. Dans la mime, c'est comme. Elle est morte. Mais elle est pas vivante à la fin. Puis c'est juste tragique comment ça se passe. Mais pas trop spoil à part ce bout-là, mais. Donc j'ai crié puis j'ai pleuré. Pour de vrai. Surtout qu'après quand t'apprends que... En fait, je peux même pas regarder parce que t'as un spoil, mais... Que peut dire que le monde n'est pas mort, vraiment. Mais ça, tu sais seulement que dans l'anime. Genre, même à la fin du 2, tu peux même pas savoir ça, so... Suplex! Allez mon ami, sauve Shaki! Auto-détruis-toi, Tenshin! Tenshin! Yamcha! Ah, faut pas rire. Ça a été quand même drôle qu'elle ait mis un Yamcha. Suplex! Yamero! Combien de Monokuma y a-t-il? 10 à la 60. Oui. 10 à la 60, ça veut dire 10 fois 10 fois 10, 60 fois. Qui veut dire un million. Merci Foyeko de m'avoir aidé. Non, beaucoup plus. Ça en est beaucoup. Alors que mon ami, il y en a genre 7, 8. Une armée de Monokuma. Si ça arrive dans la vraie vie, il y aurait aucune armée qui pourrait gagner. À la puissance 60. Je suis désolé, mais non.
Oui, mais personne peut rivaliser contre ça. Manami-chan. Oui. Anone. Shinjiyou yo. Atsushi wa. Ne? Konchikushu. Ano. お聞きください。つーか、やべえなこりゃ。Vous en faites pas, je regarde, j'ai des amis faire à gauche. Non. Je sais même pas si je vais laisser ma caméra pour ça ou non. Non, je m'enlève. Je m'enlève quand ça va commencer, non? Je trouve ça quand même trop fun qu'il y ait des références de Hard Arcade dans son truc, mais non. Minna, iroiro to gomen ne. Amasu yona mane shite. Je vais vous demander quelque chose. Si vous reconnaissez les références des jeux d'arcade, écrivez-le dans le chat, s'il vous plaît. Je veux juste voir si vous les savez toutes. Qu'il y a un enfant de 5 ans qui veut pas aller dans le bain.
Il triche. Waka 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 waka. Je regarde pas. Je peux regarder. Ah. En plus, ça explose. Encore. Je joue même plus. Je joue même plus. Ça peut paraître stupide pour certains, mais je suis désolé, mais je suis trop attaché à ce personnage. Genre, la première fois que que ça s'est passé, j'étais même pas attaché à ce personnage. La deuxième fois que je l'ai fait, la première fois que je l'ai fait, ben quand je l'ai vu la première fois, j'ai juste vu quelqu'un jouer, qui faisait encore du contenu. Une fois que j'ai joué par moi-même, j'ai découvert le personnage vraiment par moi-même. Après ça, il y a eu l'anime. Puis la dernière fois, oui, j'ai pleuré. Je m'étais vraiment attaché au personnage. Je savais que elle allait mourir à la fin. Mais ça reste que je me fais mal. Quand j'ai vu l'anime, c'est comme yeah, t'es en vie! Non, elle est pas. Puis quand tu vois l'épisode Nagito, c'est comme the fuck, tout le monde est en vie sauf elle. Tu comprends pourquoi quand tu regardes l'autre anime. Il y a pas ça. Et puisque c'est même pas la dernière fois qu'elle va nous hanter dans le jeu lui-même. Ouais, canner ça nous aide pas ça.
おいおい。Je sais que Itsu t'es là plus tantôt, mais parce que c'est Twitch qui t'empêche d'écrire, ça se peut-tu? Je sais pas. Peux-tu regarder? Commencer à jouer. On va sauvegarder là que aussi il ne demande pas de sauvegarder. Quel jeu pour moi, mon côté, l'écran a flashé en noir. Je sais pas si c'est mon écran qui a fait ça, mais... C'est que j'ai regardé là en même temps, puis il y avait pas de... Okay, ça a pas fait ça. À ce moment-là que ça devient bizarre. What the fuck? Checky. Je viens de mourir. Non. Je peux pas continuer ce désastre. Je crois que je vais même pas mettre de, de musique de fond parce que... Ah. Non, merci. Bon. Ça a été assez tourmenté pour moi, disons. Vu que, malgré ce rôle fictif, puis que je savais déjà ce qui allait arriver, c'est comme un traumatisme. Si tu as vu le truc, ça fait mal, disons. Oui, on est capable de surmonter certains traumatismes. Mais ça fait quand même mal, au final.
On va se réveiller. Voilà. Désolé pour moi. Mon mauvais l'aura négative que je ressens. J'essaie d'être positif. Donc, merci à tout le monde d'être venu ce soir. À tous ceux qui sont venus discuter avec moi. Comment on fait un autre tour déjà? sinon, oui. Si vous aimez le contenu sur Danganronpa ou sur The Legend of Hero Trail to Cold Steel, non dit JRPG particulièrement, je propose d'appuyer sur follow. Si vous êtes en train de regarder la diffusion sur Twitch, vous pouvez appuyer sur l'abonnement si vous voulez pour avoir plus de contenu. Normalement, je mets toutes mes rediffusions complètes sur YouTube. Sinon, la prochaine fois, je vais partir en live. Je vais réessayer demain à 1h PM, UTC moins 4, donc à 7h du soir en France et 1h au Québec. Je vais réessayer l'aura de 1h. Puis pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça à 1h et non à 6h30 demain? Juste parce que j'ai envie de jouer à Danganronpa. Puis comme je sais que le dernier chapitre va durer quand même un bon bout, en moins 3h, même plus que ça. Donc j'ai envie de finir complètement le dernier chapitre. Parce que j'en ai vraiment envie. Juste pour finir le jeu, pour commencer. Je veux pas presser le jeu, mais j'ai quand même envie de le finir. Parce que après ça, je dois commencer et finir le spin-off. Another Despair Girl. Que lui, j'ai envie de passer assez rapidement. Donc, ouais. Puis sinon, si je jouerais à The Legend of Hero, on sait pas. On était où déjà? Oui, on venait de finir l'intermission 1, qui a littéralement duré 2 heures. C'est ça. C'est vraiment bizarre de parler pas de musique. Y a-t-il juste moi qui a ce feeling là? Voilà. mais un peu de musique triste, hein? Évidemment. Mais ouais. Bon, ça, je vais partir en live demain soir à 1h. Demain après-midi à 1h Québec, France 7h, et on va passer sur Danganronpa, on va finir le jeu. Puis ici, après ça, on va savoir ce qu'on fait après. Si je live pas demain, je vais live sur mon horaire habituel à 6h30 à samedi. Puis à samedi, on va continuer The Legend of Hero. Juste monter le volume. Ça. Donc, encore merci à tout le monde d'être venu ce soir. J'espère que vous avez apprécié le live, malgré mon... ma tristesse vers la fin. Mon... ouais, c'est ça. Mes mauvais commentaires c'est ça. Ça. Encore merci à tout le monde. Et on se revoit à la prochaine. Bye bye tout le monde. Bye bye.